Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Encore aujourd'hui, nous sommes rassemblés comme toutes les grandes familles chrétiennes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Nous prions d'une manière toute spéciale aujourd'hui pour Mme Pauline Pizzardi. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître que devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Nous reconnaissons aussi et nous confessons que Dieu est un Dieu d'amour et de pardon. Et c'est ce pardon que nous lui demandons. Seigneur Jésus, notre lumière et notre salut, prends pitié de nous. Ô Christ venu nous libérer de ce qui nous accable, prends pitié de nous. Seigneur, source de toute joie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je t'écris cette lettre avec l'espoir d'aller te voir bientôt. Mais au cas où je tarderais, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans la communauté, l'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, apparu aux anges, proclamé chez les païens, accueilli dans le monde par la foi, enlevé au ciel dans la gloire. Parole du Seigneur. Assemblée parmi les justes, grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Grande donner des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Grandes sont tes œuvres. Alléluia, alléluia.
paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? » Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent entre eux. « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. » Jean-Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain. Il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange, et il boit, et vous dites, c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste auprès de tous ses enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Frères et sœurs, quand on regarde les images, les paraboles que Jésus utilise, on se rend compte que Jésus était assez attentif à la façon de faire des gens autour de lui. Parfois, il va nous parler de comment les semeurs vont semer, comment on récolte dans les champs, comment les pêcheurs vont à la pêche. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il a passé du temps sur la place publique, à regarder les gens, les enfants qui jouent, et à aller chercher toujours dans ce qu'il voit des images pour nous parler de quelque chose d'autre. À vrai dire, on ne connaît pas vraiment le jeu auquel Jésus fait allusion, un jeu d'enfants. On peut peut-être deviner des enfants divisés en deux équipes. L'une chante et joue de la musique et l'autre doit deviner le type de musique et faire un mouvement de danse qui correspond à ce chant ou à cette musique. Ou peut-être fait-il simplement allusion aux attitudes capricieuses d'enfants qui jouent ensemble et qui parfois refusent de se plier au jeu des autres et s'ensuit des chicanes d'enfants. Au fond, peu importe le jeu des enfants, ce qui importe, c'est le message que Jésus va nous apporter à partir de ce qu'il a observé. La réflexion de Jésus, non pas sur les jeux d'enfants, mais sur les gens qui l'entourent, les hommes de ce temps, comme il le dit, les personnes de son temps. On devine même que dans cette réflexion, il y a comme une tristesse, un peu comme la tristesse des enfants qui voient que leurs compagnons de jeu ne veulent pas jouer avec eux. Mais il y a bien plus que la tristesse d'un jeu qui ne marche pas. C'est une tristesse qui touche toutes les attitudes de la vie. Jean est venu. Il appelait les gens à changer de vie, à faire pénitence, à jeûner, à se garder prêt pour accueillir le Messie quand il viendra. Jésus, sans doute, admirait le courage et la détermination de Jean et il voyait l'importance de ces jeûnes de purification, de préparation à la venue de celui qui devait venir. La conversion du cœur est importante et demande le jeûne, la pénitence et la prière. Jean l'avait proposé. Les gens, dans l'ensemble, l'avaient rejeté. De très grand nombre, la majorité, ont rejeté cet homme qui poussait
à la dernière limite cet appel à la pénitence et à la conversion. On considérait même qu'il était sans doute possédé d'un esprit mauvais qui l'amenait dans une mauvaise direction. Quoi de plus facile pour ne pas entrer dans un mouvement de conversion de dire de ceux qui montrent l'exemple qu'ils sont probablement mus par un esprit mauvais. Jean proposait une démarche de purification par le jeûne et la pénitence. Jésus vient annoncer les temps messianiques. Ces temps doivent être marqués non pas tant par la pénitence, mais par la joie de reconnaître que la promesse de Dieu est accomplie, que l'alliance nouvelle est maintenant venue. En annonçant ce message, en vivant dans la joie de cette présence, il est aussi rejeté. Cette fois, on le considère comme un glouton, comme quelqu'un qui aime trop les plaisirs de la vie pour être valable comme guide spirituel. On ne comprend pas le sens de son geste. On n'y voit qu'un homme qui cherche les bons repas et le plaisir. Avec la venue de Jean et de Jésus, Dieu s'est manifesté en proposant deux attitudes complémentaires pour le peuple. L'attitude de pénitence nécessaire pour se préparer à la rencontre de Dieu, l'attitude paisible et joyeuse de celui ou celle qui vit à la lumière de Dieu et dont toute la vie devient action de grâce pour Dieu présent parmi nous. Il y a dans ce court texte une interpellation pour nous aussi. L'appel de Jean et celle de Jésus ont toutes deux leur place dans toute vie chrétienne. Notre cheminement de vie exige des temps de jeûne et de pénitence. Prendre le temps de se préparer à accueillir la grâce de Dieu. Il n'y a pas de vraie rencontre avec le Seigneur sans des moments de purification intérieure qui nous permettent de nous rendre prêts à nous tourner vers le Seigneur, à nous libérer de toute tendance égoïste pour aller vers le Seigneur. La joie de Pâques aussi est importante. Si les temps de préparation comme le carême sont essentiels, ils nous préparent toujours à un accueil joyeux, l'accueil du Christ présent parmi nous. La joie de Pâques est rendue possible par le temps de carême où nous nous libérons de toute attache pour nous attacher à celui qui vient. L'appel de Jean à la prière et à la pénitence nous rappelle qu'il est toujours important de nous préparer, de nous transformer, de tourner notre cœur vers le Seigneur pour l'accueillir. Mais tout aussi important est le temps de la joie de la présence du Seigneur dans nos vies, joie de la fête dans lequel nous acceptons comme Jésus de porter ce message de joie à tous nos frères, tous nos sœurs, et comme Jésus de porter ce message tout particulièrement à ceux et celles dans notre monde qui sont des laissés pour compte, les pauvres, les marginalisés, ces exclus de notre société dont Pape François nous parle si souvent, faire la fête avec eux, les rejoindre et les appeler avec nous à célébrer dans la joie. Frères et sœurs, chaque Eucharistie nous invite à accueillir dans la joie celui qui se fait pour nous pain de vie et nous invite à partager ce repas.
terre et du travail humain, te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais il nous rapproche de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant. Toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint-Joseph et Saint-Frère André vous accompagneront de ce jour. Allez, dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.